On y est, c'est la finale de l'UEFA Europa League. Qui brandira le trophée ce soir? Quelle ambiance pour saluer l'entrée des joueurs sur le terrain. Et maintenant, jetons un œil aux compositions d'équipe. C'est parti. Les deux équipes risquent d'être un peu prudentes à l'entame. C'est une finale quand même. Il joue dans l'espace. Quelle frappe! Oh, quelle frappe! Oh, un but vraiment incroyable. Et c'est dedans! Ça pourrait être le tournant du match, un but importantissime. Une frappe aussi lourde, c'est tout simplement imparable. Alors là, c'est tout simplement... dans l'intention et dans la réalisation. Ils ouvrent le score, c'est un but qui vaut cher. C'est toujours mieux d'ouvrir le score, évidemment, mais dans une finale, c'est encore plus important. Il tente de la jouer dans l'espace. Il tire. La tentative de centre. Il a centré. Il faut s'appliquer sur ce genre de centre. Il y avait pourtant plein de joueurs disponibles dans la surface. Bon, c'est sans doute pas le centre de sa carrière. Il en profiter pour trouver la faille dans la défense. Attention au centre. Danger écarté. Real maintenant. La tentative. Sur l'aile gauche et il a du soutien. Real maintenant. Ouais.
Et le ballon qui passe de l'autre côté. Ça, c'est une interception parfaite. Amrabat. Mario Suarez. Cette bonne situation sur l'aile gauche. Oh, voici Real. Il glisse le ballon en profondeur. Et le gardien qui avait bien anticipé. C'est la mi-temps dans cette finale. Que s'est passé vite jusqu'ici? Alors, qu'avez-vous pensé des 45 premières minutes de cette finale? Il mène au score et c'est plutôt mérité au vu de cette première période. Mais bon, il reste encore beaucoup de temps, alors il ne faut pas trop s'emballer. Tout peut aller très vite. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Allez, c'est parti. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Ils progressent encore. C'est centré, le coup de tête. Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon sauf le dernier geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la roue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Et la bonne intervention. C'est joué long. Capou. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. José Olivas. D'une aile jusqu'à l'autre. Et le geste plein d'autorité, quel tacle. Il en profite à gauche. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Franchit la ligne. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Capou, la passe dans la profondeur. Quelle passe! Et une longue passe, et personne à l'arrivée. La victoire ne devrait pas leur échapper, on y est presque. Ils sont à quelques instants de la consécration. Oh là, c'est chaud, quel tacle! C'est bien fait ça. Et c'est une bonne course, mais au final, ça ne donnera rien. Allez, il faut tenir encore quelques minutes et ils pourront savourer cette victoire. Il la tente! Sauvé par le poteau! Il part au plus pressé, loin devant. L'arbitre a sifflé, faute. José Olivas. C'est fini! Le match est terminé! Ils vont pouvoir brandir le trophée de l'Europa League et recevoir ce petit cadeau de l'UEFA, une place pour la finale de groupe de la prochaine Champions League. Et ils s'en souviendront longtemps de cette journée, de ce match, de ce trophée, de cette gloire. Bravo messieurs, bravo pour cette coupe!